Il est du devoir de toute personne responsable d'abandonner toutes les choses interdites, de les interdire à celui qui les commet et de l'en empêcher par la contrainte si on en est capable. Sinon, il est de son devoir de réprouver cela dans le cœur. L'interdiction de l'illicite requiert comme condition que cela n'entraîne pas un mal plus grave. Sinon, cela n'est pas permis, car ce serait se détourner d'un mal vers un mal plus grave. Le prophète a dit ce qui signifie « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il y mette fin de sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, et c'est le minimum qu'exige la foi. » Walhamdulillahi Rabbil Alameen.